Salut tout le monde, c'est moi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Star Wars The Old Republic. On continue notre histoire dans l'extension Shadowrun. Pourquoi j'ai 7 points à trouver? Pourquoi? Je sais pas, mes points ont été retirés. Je sais pas, je mets des trucs au pif, parce que je connais pas. Et que je fais pas attention. Voilà. On va dire que c'est bon. Et on devait s'en aller péter les modules. Les tours et récupérer les modules. Détruire les tours et récupérer les modules. Bon, comme vous le remarquez, je suis revenu à l'une des premières endroits où on est allé quand on est arrivé sur Rishi, c'est-à-dire la cantina où on a battu Goro. Parce que dans un des épisodes précédents, quand on a sauvé les esclaves, il y en a un qui nous a dit d'aller voir un ami à lui pour nous donner des trucs, pour nous demander des choses spéciales. Et c'est lui. J'aimerais juste savoir ce que c'est. Ça a l'air d'être une mission. Ren Moru et son équipage attendent de recevoir vos ordres. Alors, chef? Piller, aider la population. Assurez-vous que tout le monde est pris en charge et sait qui est le responsable. Faire le bien devrait améliorer votre réputation auprès des résidents. Revenez plus tard, j'aurai sûrement quelque chose pour vous. Ah, c'est cool comme mission. Comme mission journalière, c'est très cool. Tu peux envoyer des gens en mission et puis quand ils ont fini, ils reviennent avec avec ce qu'ils ont gagné. J'imagine que quand tu fais piller, ils ramènent plus de crédits, ce genre de quota, de trucs. Mais je joue un personnage lumineux, même si c'est un site. Donc, on va prendre le bon choix. Ok, je voudrais que j'en ai un rouleau. Cette synchronisation est parfaite. Ah non, je me suis trompé dans le monde. Bon bah, fail. Fallait tourner plus tôt. Ici. Ah, ça c'est adoré, merci. Voilà, on a fail. Ah, faut que je récupère les modules, c'est vrai, donc j'ai quelque chose à faire avec après une fois que je l'ai. Il y en a qu'un seul partout, d'accord. L'agresseur. Là, il y a une tour. Oh. Connecter les modules de décodage au panneau. Ok, maintenant.
J'ai eu 3 messages apparemment. Donc quoi? Oh, il y a un autre joueur. J'ai l'impression qu'il y a un autre joueur. Ouais, il y a un autre joueur. T'étais pas en bon état. Deron? J'y suis enfin. Bon travail. Et maintenant, voyons Markov cache tous ses secrets. Oh, espèce de maudit pirate bon à rien. Le gang de la tempête hurlante était un leurre. Il n'a jamais existé. Vous allez bientôt regretter de ne pas avoir affaire à une bande de pillards ordinaires. C'est ce qu'on va voir. Mes ancêtres ont fondé la crique des pillards. C'est mon île et je la garde. Allons, montrez-moi ce dont vous êtes capable. Au final, vous ne vous en sortirez pas vivant. Alors comme ça, vous avez détruit notre couverture. Heureusement, je peux brouiller les communications externes de l'agresseur. C'est d'ailleurs à peu près tout ce que je peux faire pour l'instant. Ils ont des pirates qui s'occupent en ce moment même de la sécurité du réseau. Je ne peux rien faire tant qu'ils sont connectés. Je m'en occupe. Je n'en doute pas. Oh, le casque est ridicule. Que l'on va mettre parce que c'est marrant. Oui, on va faire ça, s'il te plaît. Je vais vous manquer. Oui, tu me manques. Oh, c'est ridicule. Putain, c'est complètement stupide. Mais je le garde quand même parce que justement, comme j'ai dit, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ok. Et si jamais je veux revenir à une tenue plus logique, je peux retourner là-dessus. Et pour l'instant, je garde la tenue de pillard, ça fit avec l'endroit, le décor, tout ce que je veux. Et certes, j'arrête pas de dire que c'est pas très joli, mais ouais, c'est quand même beau. Maintenant que vous avez accès à cet endroit, essayez d'ouvrir une ligne pour que je puisse pirater les données à distance. Toi et tes relations me font pas peur. Je reste quand même la furie de l'empereur, même si je suis un site lumineux. Je reste donc puissant. Malgré un alignement, on va dire. Parce que je reste fidèle à l'Empire, du moins pour l'instant. Pour le les dispositifs de sécurité sont désactivés. Problème, c'est que le réseau l'est aussi. Margot a dû tout couper manuellement. D'accord. Bon, on va l'affronter. C'est mon vaisseau. Vous croyez que vous pouvez entrer et rester en vie? Bon, on va se partir. La crique des pillards est à moi! Putain, j'ai déjà battu. Personne n'a intérêt à se frotter à nous maintenant. Fureur de force, la mienne, le machin. Ah, j'ai pas pu. Ah, c'est des bottes. Ah, mais elles vont pas avec la tenue. C'est chiant, hein. C'est chiant. C'est très chiant parce qu'il va falloir que je les mette et que je débloque un autre truc de tenue pour
pouvoir garder celle-là. Celle-là, elle est fantastique. Que je peux en acheter un? Ah oui, j'en ai un. Ce qui veut dire que sur 5... non, je vais pas en acheter un autre. 5. On a toute la tenue de pillard. Pillard comme de la gueule, je trouve. Et on enregistre. Voilà. On va garder celle-là pour l'instant. Et cette tenue, je la donnerai probablement à un follower quand je m'en aurai débarrassé. Bah, débarrassé. Deron, vous me recevez? 5 sur 5, j'y suis. Accès complet. C'est le type d'avantage qu'on ne pourrait jamais obtenir sans vous. Il faut garder cet avantage. Si les Rivanites en ont terminé avec les lames Nova, comme l'a dit Revan, ils sont sûrement passés à l'étape suivante de leur plan. On peut dire tout ce qu'on veut au sujet de Revan. Il n'a jamais été un Sith aussi puissant que je le suis aujourd'hui. Il ne s'agit pas uniquement de Revan, mais de tous ses co-conspirateurs. On ignore combien de membres de l'Empire et de la République tirent les ficelles pour lui. Pendant que Terron récupère les données, je vous suggère de vous mettre en route pour la crique des pillards. Avec un peu de chance, il aura trouvé quelque chose d'ici là. D'accord. Et deux. Espoir de la glace. Ça va me donner des matériaux de la planète, en fait. Bah, de l'extension. Tenue des brumes, c'est vrai, d'accord. Donc, par exemple, mettons Vett, si je lui donne la tenue, qu'est-ce que ça donne? Alors, en fait, c'est vrai, il faut que je l'enlève sur moi-même d'abord. Ça aurait du sens. On va en équiper une autre pour l'instant. Genre, si je la mets avec. Par exemple, cette tenue-là est meilleure parce que je porte plus. Bah, c'est vrai qu'elle ne porte rien. Avec les bottes. Ouais, c'est stylé. En plus, elle a toujours ses les coups. Malgré le casque. Ce qui est cool. Parce que d'habitude, quand ce genre de Twi'lek, quand tu leur mets un casque, les coups disparaissent comme si. Comme s'ils n'existaient pas. Mais pour l'instant, je vais lui laisser ce que j'ai parce que j'ai pas la tenue au complet de toute façon. Et ça n'a pas rapport. Voilà. Bon bah. On va aller là-bas. Bah attendez, la crique de pillard. Nova, du sentier du blaster. Bon, maintenant nous sommes ici. On va en profiter pour aller voir l'autre gars. Ah non, c'est pas la bonne taverne, je crois. Bah, en tout cas, il y a une boîte aux lettres. Elias Mori, c'est qui ça? Ah, c'est une des personnes que j'ai sauvées. Shrak Brive. Sharak Brive. Dark Barras. Je me souviens pas exactement de lui, mais il parle de Barras, donc ça doit être un des personnages qu'on a. Serviteur 1. Eh, mec, il y a des persos qui ressortent de nulle part. C'est surtout de l'argent, des mises en garde, ce genre de trucs. Alors, l'autre côté, une zone de descendre, il y a quelqu'un. Il y a quelque chose. Non, c'est parce que je suis à la cantina, mais genre à l'étage supérieur. Ouais, c'est ça. Donc on va aller voir lui.
On commence à avoir la cote avec les autochtones. Oh, merci. Super. Fantastique, c'est magnifique, c'est génial. Qu'avons-nous appris sur l'agresseur ? Bien peu de choses. Quelqu'un a corrompu l'essentiel des données. Sûrement une mesure d'urgence. Je vous raconte pas le bazar là-dedans. Je trouve des bribes, mais rien de cohérent. Un détail revient souvent. Le nom de la Mandalorienne à laquelle Margok a fait allusion. Celle qu'on surnomme Torche. Et alors ? Apparemment, Torche et Margok ont été alliés un moment. Puis quelque chose les a séparés. Il y a sûrement un rapport avec les Révanites. Je n'en sais pas plus. Mais il semblerait que Torche ait déplacé son clan tout entier sur une autre île de Richie. J'ai les coordonnées. Jacaro, préparez votre vaisseau. Voyons ce que cette Torche peut nous apprendre. J'envoie Jacaro en mission de reconnaissance. J'ai organisé votre transport au cas où il ne rentrerait pas à temps. Waouh! Vous n'avez pas chômé ? Soutirez un maximum d'informations des Mandaloriens. Avec un peu de chance, ils nous mèneront aux Révanites. D'accord. Ouais, on nous appelle. Bien cher Fury, quel plaisir de vous revoir sain et sauf. Dark Voron, voilà qui est inattendu. Okay. Ma foi, la surprise fait le sel de l'existence. Je vais à vous parler en personne, il se trouve que j'étais à portée du système Richie. Pourrions-nous nous voir ? Chaos et destruction peuvent bien vous attendre un moment. Il me semble que je lui ai sauvé la vie à lui, une connerie du genre. Notre alliance a disparu avec Barras. Ouais, c'est ça, je lui ai sauvé la vie de Barras. Il est grand temps pour nous de nous retrouver. Nous avons fort à nous dire. Je vous attendrai à ses coordonnées, mais hâtez-vous. Je ne puis m'attarder sur Richie. Ok. On va aller le voir. Oh, ça, ils sont même pas meilleurs. Voren et la furie. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce que cette mission va me rapporter ? L'exact même tenue en meilleur. L'exact même tenue mais en meilleur. Génial, fantastique. Bon, on va voir ce qu'il nous veut. Ça se trouve, c'est un piège. Ça m'étonnerait pas trop, étant donné que j'ai un peu recherché. Mais bon, je l'ai aidé, il devrait pas trop. Cher Fury, vous n'avez pas changé d'un iota. Combien de Jedi avez-vous tué aujourd'hui ? Comment se retrouve, Voron ? Plus sérieusement, comment allez-vous ? J'ai cru comprendre que vous travaillez inlassablement pour l'Empire. Trouvez-vous satisfaction à éliminer des huttes et abroger des cultes ici et là ? Nous ne sommes pas là pour parler de ma soif de destruction. Que voulez-vous ? J'aimerais vous comprendre, Fury, et que nous parlions de votre avenir. La République prétend que l'Empereur est mort, mais les rumeurs disent le contraire. La configuration stratégique change. Parlez sans détour. Écoutez, la dernière furie de l'Empereur a occupé son poste pendant des siècles, avant de trahir l'Empire. Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais choisi de devenir furie. Cette fonction vous est tombée dessus. Que voulez-vous vraiment ? Je suis la furie de l'Empereur. Je n'aspire à rien. J'incarne la fureur de notre maître. Remettre cela en cause est un acte de trahison. Ah, Fury, excusez les maladresses d'un vieillard. Je m'inquiète pour vous et on oublie la gloire de servir notre empereur. J'ai un présent qui pourrait vous aider. Tout porte à croire que vous êtes surveillé et ce depuis un bon moment.
De nature mécanique, ces espions ont été habilement cachés grâce à un mélange de technologies anciennes et modernes assemblées à l'aide de la Force. C'est un peu gros. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Qu'espérez-vous obtenir? Si un ennemi inconnu vous suit et vous espionne, j'imagine que cela nous concerne tous, non? L'un de mes associés a des relations au sein de l'enclave des Gris. Il a fabriqué ceci, un appareil capable de révéler votre ennemi. Utilisez-le pour recouvrer votre intimité ou connaître l'identité des curieux qui vous surveillent. Comment ça marche? L'activation est simple, mais à votre place, j'attirerai l'ennemi dans un lieu isolé afin d'éviter toute intervention extérieure. J'ai plus à vous offrir, mais cela attendra que nous soyons vraiment seuls. Si vous tentez mes pieds, ceux qui tentent de me manipuler ne vivent guère longtemps, Voron. Si ces espions sont vos ennemis et non les miens... Dans ce cas, ils ne frapperont pas les premiers. Alors vous saurez. Je resterai sur Rishi aussi longtemps que possible. Bonne chasse, Fury. Il m'a l'air d'être quelqu'un de confiance. Honnêtement, en vrai, à part Terron, Lana et Jacaro, les seules autres personnes en qui je ferais confiance seraient probablement lui, mon équipage, évidemment. Et la main de l'Empereur. Les autres personnes, comme la Furie, la main, la voix. Bon, peut-être pas les autres, mais la main de l'Empereur, plus précisément, oui. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes envoient quelqu'un pour me massacrer. Atteint une zone reculée, d'accord. Je suis dans une bonne zone. Faire ça trois fois.
Oh. Oh. Ça va pas du tout avec ce que je porte, bon. Mais c'est meilleur. Bon. Tant mieux. Kovka Works. Kovka Sphermatic, c'est pas la même chose. Bon. Ici, j'ai déjà mis tout le temps de mieux. À quel partenaire je pourrais mettre ça? Malavrai, peut-être. A plus tard. Lui. Lui porte la truc de pierre, si je me souviens bien. Là, je vais le relever, je vais mettre. Ah non. Cette tenue, elle apparaît même pas comme étant la même. Sinon, je peux essayer de lui mettre ça aussi. Non, je crois qu'il va mettre ça plutôt à Pierce. À lui, je vais au fur et à mesure lui mettre la tenue de... Comme ça, on verra ce que ça donne. En côté lumineux, j'ai un espèce de bug avec lui qui me fait faire ça. Je vois la tenue comme si c'était un personnage de la République. Je sais pas pourquoi. Je serai dans mes quartiers. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes. C'est ça, elle porte quoi? Hé hey, un peu de repos n'est pas de refus. Bonjour. Ah ouais. Alors, je pourrais lui mettre à la place. Ouais. Moi, je vais lui laisser le respirateur. Ouais, je veux juste le respirateur. Ça, ça se fait. Ouais, désolé, je fais ça alors que je devrais continuer le truc. Et à Pierre, si je vais mettre. À plus tard. Je vais mettre le casque comme ça. C'est où que ça se passe? Ouais, ça va, ça passe mal. On va voir que je vais. Je n'ai même pas fini de m'échauffer. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Oh, allons voir. Ce que Foron va me demander ensuite. Parler à serviteur 1. Attends. C'est un membre de la main, ça. Fury. Ouais. Tout s'explique. Serviteur 1. Vous n'auriez pas dû détruire les opticrons. Les droïdes existent seulement pour que nous puissions vous connaître. Vous n'existez que pour servir notre maître. Les droïdes ont parlé d'un rituel. Ils ont dit qu'à son retour, toutes les étoiles s'éteindront. Les paroles des opticrons doivent être interprétées avec prudence. C'est notre tâche, pas la vôtre. Vous êtes l'instrument de la volonté de notre maître. Vous avez peut-être passé trop de temps à servir des flottes. Et le Conseil Noir. D'abord Illum, ensuite Makeb, Titon, la liste continue. Ce qui ne menace pas l'Empereur ne vous concerne pas. Vous semblez l'avoir oublié. Je n'ai rien oublié. Ne vous inquiétez pas. Bien. Nous abordons un tournant délicat. Vous serez informé des développements. J'ai cru comprendre que Dark Voron comptait vous retrouver ici. Il a commis des crimes contre la main. Quel genre de crime? Il a tenté de percer nos secrets et interroger un serviteur. Nous pensons qu'il compte fuir dans le dédale de Richie. Vous a-t-il contacté? S'il a quitté ce monde récemment, nous pouvons encore le trouver. S'il a essayé, ce fut un échec. J'ai senti une présence ici. Je suis venu enquêter. Dans ce cas, la traque doit continuer. Il n'échappera pas éternellement à la main. Nous ne vous demanderons pas de regagner la tranquillité de notre forteresse. Vous devez rester à l'affût. Croyez bien que toutes les questions seront bientôt résolues. L'Empereur revient, et nous alimenterons sa flamme. Épargnez-moi vos devinettes. Comment va-t-il revenir?
Qu'entendez-vous par alimenter sa flamme? N'ayez crainte, ce sera glorieux. Tenez-vous prêt, puissante furie. Vous accomplirez bientôt votre destin. Ah, lui est-ce qu'elle a déjà. Alors du coup, ça c'est peut-être pour mettre les bases pour le l'autre extension qui vient après Shadow of Raven, une affaire comme Fallen, Fallen Empire ou Knight of the Fallen Empire, juste comme ça. Là. C'est une zone litigieuse. Oh mon dieu. Commencé le mode d'histoire. On va bien voir ce que ça va donner. Chasse sanglante. Bon bah allons-y. Ouais.
souviens plus du tout comment ça marche. Vous êtes passé. J'ignore ce que vous faites sur nos terres, mais puisque vous êtes là, voyons ce que vous valez. Réussir tous les défis de torche, ça. C'était assez simple. Vous vous êtes bien débrouillé, mais vous entrez dans l'arène. Je vous présente Joss et Valk. Ils sont mariés. Aussi robustes que le duracier, ils demeurent invaincus. Merci ça. Admettre, c'était quelque chose. Il est temps de se rencontrer. Ok. On va enfin finir. Oh là, le lag. Enfin, mon PC lag. Bon, je dois finir parce que si j'arrête là, je recommence tout, je ne tente pas trop. Par contre,
J'imagine que vous êtes celle qu'on surnomme Torche. Shave Isla. Ce surnom, je le dois aux autochtones. J'ignore où ils sont allés le pêcher. Vous vous êtes brouillé avec les Revanites et les Lames Nova récemment. Dites-moi tout. Tout vous dire? Mais oui, bien sûr. Vous n'êtes pas le premier Sith qui tente de m'intimider. Je vais vous dire. Vous qui vous attendiez à un geste noble de ma part, que diriez-vous de pimenter un peu les choses? Ça fait un bail que je n'ai pas relevé de défi digne de ce nom. Je vais donner l'exemple à mon clan. Évidemment. Mais je suis la meilleure. Vous êtes raté? Ah, je croyais qu'on... Ok. Je pensais pas qu'on l'a tué comme ça. Ok. Chasse sanglante. Ah, c'est un... Oh, c'est stylé. C'est juste cool. Ça, ça va donner des trucs comme d'habitude. Ah non, il est pas mort. Espèce de sale. Bon, je veux bien admettre que je me suis rouillé. Un peu. Mais ça fait du bien, un peu d'action. Vous avez ce que vous vouliez. À vous de collaborer. Ça ne serait pas très juste, sinon. Voilà. Vous savez que les Lames se sont alliées aux Revanites. Vous devez donc vous douter qu'ils préparent un sale coup. Nous avons détendu les relations entre les Lames et la Crique des Pillards. Mais l'offensive Revanite ne faisait pas partie de l'accord. Dites-moi où sont les Revanites et à quoi j'ai affaire. Désolé, mais j'ignore leur position. Par contre, je peux vous dire qu'ils ont stationné toute une armada quelque part par ici. Je serais plutôt contente de voir les Revanites quitter Rishi. On n'aime pas attirer l'attention par ici. Bonne chasse à vous, Sith. Kesush Mandoade ! Qui est partant pour une chasse aux Skarkla ? C'est pas ça, j'espère? Si, c'est ça. C'est nul. C'est nul parce que j'en ai déjà en fait. C'est ça, j'ai déjà fait la zone. Bon, on va retourner ici. Est-ce que c'est le marchand qui est sur ici? Modification. Non, ah oui, il y a. Est-ce que j'ai. J'ai de bons fournisseurs. Vous trouverez les meilleurs arcs. Pas les bonnes. Je peux ramasser ça par contre. Arbre à viande. Ok.
On va en prendre un, ça coûte un crazy. N'hésitez pas à fouiller. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. Donc elle risque d'être pas mal plus courte que les précédentes, mais c'est pas grave. C'est pas le choix, il faut que j'arrête. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao!